Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5 și jumătate la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe General și La French Tech. Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost și despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu despre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Dacă ai fi încercat în anii 90 să descarci un film de 2GB cu tehnologia 2G, treaba asta ar fi durat câteva zile. În anii 2000 cu tehnologia 3G, același film ar fi fost descărcat în câteva ore. În 2010 cu 4G, durata de transfer s-a scurtat la câteva minute. Din 2020 cu 5G facem același lucru în câteva secunde. Noile tehnologii au accelerat atât de tare comunicațiile și debitul lor, încât e greu să mai ținem pasul cu aceste evoluții. Vine peste noi un tsunami tehnologic. Cine se adaptează va rezista și va merge mai departe. Cine nu, va avea o problemă. Viitorul are o geometrie variabilă, definită de tehnologie. Am invitat astăzi la misiunea noi venind din viitor pe Jean-Philippe Fournier, fondator și CEO al companiei franceze Spectronit, care aduce o tehnologie disruptivă în infrastructura fără fir de pe piața 5G. Compania Spectronit a fost selecționată Un programme La French Tech qui 125 films qui sont le domaine l'innovation technologique. cette émission, en français. Jean-Philippe, bienvenue dans notre émission Nous venons du futur où nous invitons évidemment des gens qui viennent du futur. Et le futur est aujourd'hui formaté par les nouvelles technologies. En 2019, tu as fondé la société Spectronite qui a été sélectionnée dans le programme La French Tech 2030. C'est un programme qui soutient les compagnies qui innovent dans les domaines technologiques. C'est quoi Spectronite et qu'est-ce que tu proposes sur un marché qui évolue une vitesse, à une vitesse assez ahurissante euh, Bonjour Miral, c'est un plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Euh, alors Spectronit, on est une société, euh, nous fabriquons des équipements de télécommunication. Ces équipements, ils vont dans le réseau des opérateurs et ils permettent aux opérateurs de, 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 de transporter toutes les communications depuis les, les antennes relais qui parlent avec vos téléphones jusqu'au cœur du réseau. Euh, donc c'est ce qui constitue vraiment la colonne vertébrale du réseau mobile. Euh, il y a deux technologies, soit de la fibre optique, soit des liaisons sans fil, radio. Euh, nous, on s'est focalisé sur les liaisons sans fil. Et euh, ce que nous amenons aux opérateurs mobiles, c'est la possibilité d'augmenter significativement le débit de leur réseau, et donc de les accompagner dans ce, cette transition actuelle du, du basculement de la 4G vers la 5G. Mais également, on regarde et on prépare avec les technologies qu'on a développées. Euh, la suite de la 5G, 5G, 6G Oui, ça bouge, ça bouge très vite. Hein. Les technologies accélèrent tout, euh, y compris nos villes. Tout s'accélère autour de nous. Euh, je me souviens, au début des années 90, quand j'ai commencé, euh, à, euh, quand j'ai eu affaire à, à mon premier ordinateur, <laughs> c'était un, un PC 286. Je ne sais pas si tu, si tu oh, as vu ça. Oh, oui, je vois bien. Ouais. C'était quelque chose, quand même. Et je me dis, quand même, il y a une trentaine d'années, euh, on était, on était euh, à la pointe des technologies avec cet ordinateur 286 qui faisait des trucs basiques. Et aujourd'hui, quand on regarde euh, ce qu'on peut faire aujourd'hui avec, euh, avec un ordinateur, c'est une autre planète. Quoi. Comment tu vois cette évolution des de nouvelles technologies qui, qui envahissent C'est un tsunami technologique qui, 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 qui arrive. Oui, c'est un tsunami technologique. Moi, je l'ai vécu un tout petit peu après toi. Moi, j'ai vu arriver le téléphone mobile. Donc, euh, le, les PC étaient déjà là, mais euh, j'ai vu les téléphones mobiles. J'ai vu mon, un de mes amis qui avait son premier téléphone Ericsson dans les années 95, quelque chose comme ça. Moi, j'ai été euh, euh, averse à la technologie, mais j'ai mis longtemps avant d'avoir un téléphone mobile, bizarrement, alors que maintenant je travaille vraiment dans les télécommunications avancées. Euh, et ça a été, euh, j'ai bien vu l'explosion de la 2G, 3G, 4G, maintenant la 5G. J'ai vu cette progression sur les 20 dernières années. Et euh, j'ai travaillé chez un opérateur mobile au moment où on basculait de la 2G à la 3G, ce qui nous semblait euh, une révolution. Et aujourd'hui, quand on voit afficher 3G en haut de nos téléphones mobiles, on sait qu'on va avoir une connexion super lente et qu'on ne va pas pouvoir euh, euh, accéder à de l'information aussi rapidement qu'on le souhaiterait. En fait, euh, je pense qu'on... On s'habitue extrêmement vite, les usages ont évolué très vite, on s'est habitué très très vite à cette rapidité et je pense qu'on se rappelle, alors pour la plupart des gens aujourd'hui n'ont pas connu ce, cette époque, ne peuvent même pas imaginer ce que c'était d'accéder à la difficulté que c'était d'accéder à l'information, mais pour, même pour nous qui avons connu ce moment-là, et toi et moi, euh, je pense qu'on on, on ne se rappelle plus et, et no, notre cerveau a oublié la manière dont on fonctionnait à, à l'époque. Euh, je, je vois la, la suite de, de, de ce qui va arriver. Euh, moi, j'ai travaillé un peu dans des, dans, dans des sociétés, euh, une société qui s'appelle Texas Instruments, qui fabrique des puces mobiles. Et donc, euh, je suis assez, euh, 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 comment dire, euh, je, je vois assez bien ce qui se passe au niveau des semi-conducteurs, des, 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 des microprocesseurs. Et euh, je continue de discuter aujourd'hui avec des fabricants de, 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 de composants, de processeurs, et je vois que ce n'est pas, pas parti pour s'arrêter. La, la, la technologie continue de se développer, il y a des investissements énormes aujourd'hui encore pour euh, construire des, des réseaux encore plus rapides, des puces, des téléphones encore plus rapides dans les 5 ans. Euh, J'essaye je, 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 juste de me projeter de temps en temps et d'essayer de comprendre quels seront les usages, quels seront les... Les habitudes que nous aurons toi et moi dans cinq ans, mais je pense que finalement on fera toujours à peu près la même chose. On regardera des vidéos, on ira sur les réseaux sociaux et on communiquera énormément entre nous parce que la téléphonie mobile ou l'ordinateur a servi à quoi À nous aider à communiquer plus rapidement. Euh, je suis arrivé en Roumanie il y a quelques jours. Je ne te connaissais pas. Aujourd'hui, on parle ensemble. Tu m'as envoyé une invitation sur mon agenda hier. La, la question ne se posait même pas de savoir comment tu allais me contacter. Tout, tout va, tout va extrêmement rapidement et. Et finalement, le, ce, ce dont on se rend compte, c'est qu'à la fin, euh, bah, ce que ça permet, c'est d'avoir des communications plus rapides, de, rentrer en, de faire connaissance avec des gens beaucoup plus rapidement. Et je pense que ça va quand même dans le, le, le bon sens des choses. Nous venons din viitor. Prima emisiune de radio din Romania despre secretele viitorului. Cumirel Bran și invitați săi la RFI Romania. Spectronite a été sélectionné dans ce programme, la French Tech 2030. Déjà, qu'est-ce que c'est que ce programme, la French Tech 2030 euh, Qu'est-ce que ça représente pour toi, la, la French Tech La French Tech Bucarest est une partenaire de cette émission. Donc, j'aimerais avoir euh, aussi ta, ta vue sur la French Tech et ton, ton, ta, ton entreprise. Ta, ta société a été sélectionnée sur les, dans les 125 entreprises que la French Tech 2030 a sélectionnées pour ce programme. Donc, de quoi on parle Quand on dit la French Tech 2030, ça veut dire quoi alors, euh, je me suis posé la question, ce que c'était la French Tech au début. Euh, et en fait, la French Tech, c'est euh, en France, ça dépend du, du ministère des Finances et de l'économie. Et euh, quand on regarde les choses comme ça, on se rend compte qu'en fait, euh, le, ce que veut faire le gouvernement avec la French Tech, euh, c'est promouvoir des sociétés qui euh, travaillent sur des, dans des domaines ou euh, sur des applications qui n'existaient pas il y a 5 ans, qui n'existaient pas il y a 10 ans. Et euh, je pense qu'il y a un... Une, une vision quand même assez long terme du gouvernement français depuis euh, les 5 ans, 5, 10 ans, je crois que la French Tech vient de fêter ses 10 ans il y a quelques jours à Paris. Euh, euh, je crois que le gouvernement français a compris que les choses justement s'accéléraient, comme tu disais tout à l'heure, sur les technologies, et a compris qu'il fallait essayer d'identifier, de, de, de promouvoir les gens qui, euh, sont, qui peuvent représenter des atouts économique pour le pays finalement dans les années qui viennent, euh, mais pas que économique aussi pour euh, pour aider le développement, euh, pour aider l'emploi, pour aider la, la, le désenclavement de certaines régions par exemple. Il y a un gros accent qui est mis aussi sur euh, promouvoir des sociétés qui sont pas forcément à Paris mais qui sont en région. Euh, Moi-même j'ai fondé Spectronite dans le sud de la France, une région qui est plus connue pour le tourisme que pour la haute technologie, qui est à, je suis à, basé à Cannes. Euh, et, et, et je crois que l'État a vraiment cette vision-là et, et aide les sociétés avec la French Tech à, à, à créer ce que sera l'économie dans 5 à 10 ans. Voilà. Et pour nous, concrètement, ce que ça veut dire en tant qu'entreprise, euh, bah c'est déjà l'opportunité de te rencontrer aujourd'hui, parce que c'est grâce à la French Tech que je suis venu à, en Roumanie, à Bucarest. Euh, c'est de l'aide à, à aller chercher des nouveaux partenaires, des nouveaux sous-traitants, des nouveaux clients à l'étranger. Euh, C'est de l'aide aussi avec les structures du gouvernement en France. Euh, C'est quand on est une société en France, qu'on est basé peut-être même en province, en dehors de Paris, et qu'on a besoin de parler à des gens du ministère de, 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 de l'Intérieur sur certaines technologies ou des réglementations, pour, ce, pour les réglementations de télécom par exemple, la French Tech facilite tout ça et aide nos entreprises, nos jeunes entreprises, à être finalement prises au sérieux, parce que sinon, euh, ça serait très, très, très difficile, ça serait un chemin de croix d'être pris au sérieux par les organismes du gouvernementaux. Avec la French Tech, je pense que euh, on on, c'est une sorte de reconnaissance et de, de, de prise au sérieux que même s'il y a okay, 10 personnes qui travaillent dans un petit bâtiment quelque part dans le sud de la France, euh, il faut quand même écouter ces gens-là, il faut quand même euh, les aider euh, et c'est ce, ce, ce que le gouvernement fait avec ce programme-là. En France, on a aussi une volonté politique pour soutenir cet écosystème des, des startups. Euh, pourquoi c'est important que, que, que le gouvernement intervienne sur le marché pour soutenir ce, ce type de, de démarche et cet écosystème Parce que finalement, le marché est libre, il peut se développer en dehors de la volonté gouvernemental, mais euh, on le voit en France, euh, et on voit les résultats et ils sont assez brillants. Alors, euh, le marché est libre, oui, euh, si on regarde les pays qui, ont un, qui sont à la tête de, du libéralisme économique, on va penser aux États-Unis peut-être, euh, on va penser au Royaume-Uni, euh, je pense qu'il y, y a, en tant que, si j'étais dans une société américaine, j'aurais accès à énormément de financement d'État, à énormément de subventions d'État aux États-Unis, euh, Qu'il qu n'y a pas dans, dans beaucoup de pays. Euh, les, 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 le plus grand pays du, du libéralisme économique, finalement, aide énormément ses entreprises via des subventions, via des programmes de développement euh, poussés par l'État. Euh, ce qu'on ne sait pas forcément, mais il y a vraiment cette impulsion aux États-Unis. Il y a des plans de plusieurs milliards tous les ans d'aide aux entreprises. Euh, il y a des programmes subventionnés de recherche euh, pour, par des grands organismes du gouvernement. Euh, je pense que. C'est ce que juste. Enfin, si, si on regarde les, les, les grandes plaques économiques, c'est les États-Unis, c'est exactement ce, ce, la manière dont ils fonctionnent. La Chine, c'est encore plus criant, c'est vraiment un, une, une économie d'État et même les sociétés euh, privées. Il n'y a pas vraiment de sociétés privées en Chine. Voilà, on va dire ça plutôt comme ça. Donc euh, finalement, le. Je pense que ce que fait la France et ce que font les autres pays euh, d'Europe ou qui sont entre ces deux plaques, on va dire, pas que en Europe, c'est justement essayer de, avec leurs moyens bien sûr, mais de recréer cette, cette de, de, de promouvoir les entreprises euh, pour essayer de nous aider à lutter d'égal à égal, même si c'est encore difficile avec ces, ces grands pays. Euh, moi, je prends l'exemple, euh, alors sur des sociétés comme la mienne, on travaille sur des. Ce qu'on appelle de la deep tech, donc c'est des technologies de pointe, c'est des technologies qui mettent des années à être développées avant d'arriver sur le marché. Euh, mon projet, je l'ai démarré en 2017, j'ai créé la société euh, tout début 2020. Euh, on, sera, on commencera à commercialiser nos produits euh, en 2024. Donc c'est un chemin qui est très très long, on a finalement euh, 6-7 ans de développement derrière nous. Euh, avec euh, un besoin de, de matériel, d'outils de, de développement, mais aussi une équipe de gens brillants, avec des doctorats, avec des formations, euh, euh, enfin, des, avec des gens qui ont fait des formations euh, euh, très pointues dans certains, dans certains domaines. Tout ça, ça demande de, de l'énergie, mais aussi de l'argent. Euh, L'effort la, la, du gouvernement, il, il aide à accompagner ce genre d'initiatives de, de, comme la mienne, par exemple. Et c'est vrai que... Euh, euh, je, 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 je pense que euh, la technologie, malgré tout ce qu'on peut en penser euh, en bien comme en mal, la technologie, ça reste, ou les technologies, ça reste quand même un axe de développement d'une culture, d'un pays. Euh, ça me rappelle une anecdote quand j'étais à, à la faculté, à l'université en France. J'avais un professeur qui, qui nous expliquait, j'étais dans une filière scientifique. Et il y avait un professeur qui nous expliquait que euh, euh, les grandes civilisations, des de, de, de Sumères, les, les, les Égyptiens, les, les, euh, les civilisations même chinoises à l'époque, euh, euh, c'était euh, avait grandi parce qu'il y a une maîtrise de la technologie. Et il nous expliquait qu'une civilisation qui perd sa technologie, qui perd ses, ses connaissances techniques, finalement décline. Euh, et il y avait, il y avait pas mal d'exemples dans l'histoire, dans l'histoire des civilisations. Et je pense que alors c'est à notre niveau, on ne va pas contribuer à changer la civilisation, mais je pense que pour certains pays qui doivent se positionner entre la Chine et les États-Unis, c'est ce monde bipolaire d'aujourd'hui, euh, je pense que ce n'est pas, pas au niveau civilisationnel, mais c'est au niveau euh, euh, économique, conserver son espace, essayer de, la, de le maintenir, de l'agrandir et, et de prospérer. Euh, voilà. Le, le, en, Également, euh, si je fais une comparaison entre une société comme la mienne qui travaille sur les réseaux télécoms et euh, la même société aux États-Unis, par exemple, euh, aux États-Unis, les sociétés ont accès à beaucoup plus de financement, beaucoup plus d'aide, euh, et euh, l'échelle, c'est à peu près un facteur de 1 à 10. Euh, si en, en France, euh, on, on va, pour un projet comme le mien, euh, avoir un financement de l'ordre de 2-3 millions d'euros pour démarrer, aux États-Unis, on est sur des budgets de 15, 20, 30 millions d'euros. Donc, c'est vraiment un rapport de, de 1 à 10. Et, et, et forcément, euh, il faut avoir. il faut euh, ce, que, ce que le gouvernement a essayé de faire, je pense, c'est de catalyser euh, les investissements, de les faire rencontrer avec les, les sociétés prometteuses et d'essayer de catalyser la réaction qui permet ensuite euh, de, de, de créer ces, ces, des, des sociétés qui vont pouvoir euh, faire ou lutter, lutter à armes égales avec leurs concurrents américains ou chinois. Nous venons d'Invitor, première émission de radio din Roumanie sur les secrets de l'avenir. C'est Mirel Bran, je suis invité à RFI Roumania. Moi, je travaille avec les mots et souvent je vais dans, dans leurs racines, l'étymologie du mot, pour voir qu ce que ça veut dire à la base. Et J'étais assez... Assez, assez surpris quand j'ai découvert qu'en fait le, le mot technologie, ça vient du grec ancien, techné logos, c'est euh, la science ou l'art de, de, de tisser en fait. Parce que techné, ça vient de la racine proton européenne, tex, c'est un verbe qui veut dire tisser. Donc la, le, la technologie, c'est en fait l'art de tisser l'avenir. Et quand on voit aujourd'hui la vitesse à laquelle on, on est en train de oui. <laughs> ça me fascine, en même temps ça en fait un peu peur parce que les technologies évoluent aujourd'hui à une vitesse qui dépasse, je crois, notre capacité de comprendre ce qui se passe. C est, c est, c est, ça, ça va trop vite déjà. À quoi peut-on s'attendre Aujourd'hui on est dans la 5G, on aura sûrement la 6G, euh, peut-être plus, mais à quoi peut-on s'attendre à quoi peut-on s'attendre C'est une question, je, je vais répondre à la première partie de ta question, puisque la deuxième, je pense, est ex, ex, extrêmement délicate. Euh, la, première, la première partie de la question, c'est, euh, oui, je pense qu'on euh, commence à arriver à niveau, des niveaux de complexité euh, qui, qui font qu'il y a un très petit nombre de gens sur Terre qui arrivent encore à comprendre les, les, les principes ou les, les, la, la manière dont sont euh, euh, créées les nouvelles technologies. Euh, je, je, je parle toujours des semi-conducteurs. Euh, euh, par exemple, il y a une société de semi-conducteurs qui est... Euh, euh, il y a, a aujourd'hui deux sociétés de semi-conducteurs dans le monde qui savent faire des modems 5G qu'on va mettre dans les téléphones 5G. Euh, pour te donner un, une, un, un ordre d'idée, pour fabriquer un, une puce 5G qui, va, qui est dans ton téléphone mobile aujourd'hui, euh, dans une de ces sociétés-là, euh, il y a 3000 ingénieurs qui, tra qui ont travaillé sur ce programme-là de développement. 3000 ingénieurs, ça veut dire que je pense qu'il y a, a, a peut-être 4-5 personnes dans ces entreprises qui comprennent, qui ont la vision globale, et après rentrer dans les détails, c'est impossible qu'un que seul cerveau humain puisse... Euh, à voir euh, vraiment comprendre la totalité de ce qui, de ce qui est sous-jacent à ces technologies-là. Donc, c'est vraiment des échelles dont on ne se rend pas forcément compte. Quand on a notre petit téléphone 5G qu'on a acheté euh, quelques centaines d'euros, on ne se rend pas compte qu'il y, y a des villes entières d'ingénieurs qui ont, qui ont participé au, à ce développement. Euh, je pense que la 6G sera encore plus complexe. Euh, et, 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 et effectivement, euh, on, on, on perd un peu pied. On, on perd un peu pied. En, en, on ne se rend pas compte que ce que, ce que, ce que, ça, ce que ça signifie en termes d'investissement et de quantité de travail que d'envoyer un message à quelqu'un à l'autre bout du monde. Ça nous paraît tellement naturel, mais finalement, euh, il y a vraiment énormément de connaissances mises en œuvre. Euh, quant à la deuxième partie de ta question, qui est la plus difficile, euh, qui est de dire euh, euh, vers où ça nous amène, à quoi on peut s'attendre dans les années qui viennent euh, je pense que c'est, il y a des choses qui commencent à, à arriver là, qui à, dont on commence à, à entrevoir les, les conséquences avec la l'intelligence artificielle conversationnelle, des choses comme ça qui qui sont arrivées comme un tsunami. Je pense que c'était préparé dans des laboratoires depuis assez longtemps. Euh, à partir du moment où ça a été prêt, euh, ça, ça a déferlé sur le grand public parce qu'enfin on a pu comprendre à quoi ça, ça, ça allait servir. Euh, je pense que le il y, a, il y a des technologies qui commencent à nécessiter alors des, des garde-fous, à nécessiter des explications pour le plus grand nombre, nécessiter des, 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 ce qu'on appelle des watermarks euh, ou des, des indicateurs dans les images pour expliquer que oui, ça c'est une vraie image, attention ça c'est une fausse image. On est obligé de commencer à mettre des choses en place comme ça tellement la technologie a progressé et tellement euh, tellement euh, euh, ça, les, les gens peuvent être confus par, par une image, par une vidéo, parce qu'on n'a on plus vraiment de, de, de point de repère de savoir qui a écrit quoi. Euh, tu disais que tu, tu écris dans le monde, je pense que là, il y a, et, et, et à RFI également, il y a un vrai rôle, ou plutôt il y a, y, a, y a quelques dizaines d'années, il y avait un vrai… Euh, il y a une vraie valeur qui était attachée aux marques que sont Le Monde, que sont RFI quant à la véracité, à l'authenticité des, des informations transportées. Euh, je pense que les médias, comme Le Monde, comme RFI, vous, vous avez justement un rôle à jouer à essayer de conserver cette euh, conserver ces, ces valeurs que vous avez que vous avez créées, que vous avez transportées et euh, qui euh, devraient nous aider nous, public, à, à à vous considérer comme des points de repère, des points de sour des sources d'information. Euh, euh, authentique, euh, vérifiable, euh, auquel on peut faire confiance. Je pense que c'est un des challenges pour les, les médias comme euh, ceux dans lesquels tu travailles. Euh, maintenant, euh, à plus long terme, les technologies, ce qu'elles vont permettre, euh, pff, qui est bien malin celui qui peut, encore le, qui peut le prédire d'ici 10 ans. Nous venons d'Invitor, première émission de radio d'Inromania viitorului. Cu Mirel Bran, la RFI On a vu ce que tu fais. Uh, J'aimerais savoir qui est l'homme derrière, uh, derrière l'entrepreneur. Il uh, y a une alchimie dans ton parcours qui t'a amené ici, c'est sûr. Tu, tu aurais pu faire uh, 10 000 autres métiers aujourd'hui. Uh, Qu'est-ce qui t'a amené ici Qu'est-ce qu'il y a dans ton parcours qui t'a amené ici euh, c'est une vraie bonne question. Euh, je pense que euh, la curiosité, je pense que c'est une des choses qui m'ont amené ici. Euh, c'est La curiosité, c'est quelque chose que j'ai développé lors de mes études. J'ai fait des études scientifiques. Alors, j'ai fait un baccalauréat scientifique en France. J'ai fait l'université. Euh, pour ceux qui nous écoutent, j'ai un bac plus 5 en traitement du signal, après avoir fait des études de physique. Donc finalement des, des choses assez classiques hein, sur, la, sur la physique en tout cas. Euh, je pense que ça m'a donné un, un, une base académique que j'ai ensuite pu exploiter. C'est-à-dire que j'ai vraiment commencé à me faire plaisir à partir du moment où j'ai travaillé. Vraiment. C'est là où j'ai pu euh, être un peu plus un poisson dans l'eau. Euh, la, la partie académique, ce n'était pas, pas pour moi le, le meilleur moment. Euh, enfin, c'était un très bon moment de ma vie, mais euh, <laughs> en termes de réalisation personnelle, c'était plutôt dans le monde de l'entreprise où je me suis amusé. Euh, j'ai essayé de ne euh, jamais rester très longtemps au même endroit ou, euh, ou plutôt j'ai essayé d'aller voir plein de choses différentes, à plein d'endroits différents. Euh, j'ai commencé à travailler en Allemagne. Mon premier job, c'était chez Siemens à Munich. J'ai passé trois ans en, en Allemagne. Euh, je suis rentré en France. Je suis parti aux États-Unis pour une société française pendant un an et demi, euh, dans la Silicon Valley en 2001-2002, euh, où j'ai eu la chance de rencontrer plein, plein d'entrepreneurs des... avec une mentalité qui n'était pas forcément américain d'ailleurs, qui était chinois, qui était coréen, qui était euh, euh, américain pour certains, qui était anglais, qui était italien, qui était allemand. Et qui, euh, qui avait un, une, une espèce de, de mentalité commune ou d'esprit de, de, de conquête, on va dire. Et euh, qui, avait, euh, pas forcément de, qui avait de l'ambition, mais surtout qui osait faire des choses. Euh, donc, ça, 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 je pense que c'est un des points qui m'a marqué plus que euh, les États-Unis en tant que tel et la vie aux États-Unis, que finalement j'ai trouvé assez. Euh, Monotone, morne, j'étais très content de rentrer euh, en Europe après un an et demi parce que vraiment, ce n'était pas, pas la meilleure partie là, la vie aux États-Unis, pour, pour, vraiment. Euh, ce qui était intéressant par contre, c'était les rencontres avec ces gens-là. Euh, ensuite, je suis rentré en France, euh, dans des... j'ai travaillé dans des grandes entreprises. Euh, Bouygues Telecom, qui est un opérateur mobile en France, euh, qui m'a permis de comprendre les enjeux de déploiement d'un réseau chez un opérateur mobile, ce qui me sert beaucoup aujourd'hui. Ensuite, je suis parti chez Texas Instruments, qui, est, qui était le plus grand fabricant de puces ou de, de puces pour téléphone mobile mobile à ce moment-là, euh, pendant trois ans. Euh, et là, j j en... ça, c'était extrêmement intéressant parce que je comprenais pour la première fois, je voyais vraiment quelle était l'origine de la technologie, quels étaient les moyens nécessaires à développer une technologie. Des, des projets de développement qui coûtaient des centaines de millions de dollars. C'est euh, là que j'ai commencé à prendre la mesure de ce que, ce que ça veut dire que de, le développement de nouvelles technologies dans, le, dans, dans notre monde aujourd'hui. Et, euh, et puis ensuite, euh, bah, bah, à partir de 2009, je pense, j'ai commencé dans des petites entreprises. Euh, j'ai quitté le monde des, des, des grandes sociétés. Euh, où, euh, Étais pas forcément. Enfin, je m'amusais beaucoup, hein, Mais j'avais quand même besoin d'un peu plus d'action. Euh, donc, j'ai commencé dans une première, euh, en tant que directeur commercial. Alors que j'avais un, un, un bagage technique, euh, j'ai. Je suis allé vers le, la partie commerciale dans une première société qui n'était pas la mienne, mais je travaillais là-dedans. Et puis, à partir de 2014, j'ai créé une première société, euh, puis une deuxième, de Spectronite, euh, en 2020. Voilà. Nous venons d'InVitor, première émission de radio d'InRomania, sur les secrets de l'EVitorului. Mirel Bran, ch'invitații suoi, la RFI Romania. En fait, la curiosité, je pense que c'est une des valeurs qui était la plus impliquée qui m'a permis d'arriver de, 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 où je suis aujourd'hui. Euh, le fait d'oser les choses, ça c'est ce que j'ai appris, d'oser euh, oser faire des choses euh, et de se dire... Et ça, c'est ce que j'ai appris un peu aux États-Unis en parlant avec ces entrepreneurs-là, c'est qu'aux euh, États-Unis, on a l'impression que tout est possible. On parle à trois personnes qui, qui travaillent dans, une, dans un garage presque, euh, et, et, et ces trois personnes vous disent qu'ils vont changer le monde. Alors, il euh, y en a plein qui n'ont pas réussi. Avec euh, les, les gens auxquels je parlais à l'époque, il y en a plein qui pensaient changer le monde, qui n'ont pas réussi à le changer. Mais en tout cas, il y en a certains qui ont réussi, vraiment. Et euh, tout s'était animé par cette espèce de... Euh, de candeur et, et d'inconscience finalement <laughs> parce que parce que ça, ça demande aussi de, de parfois de d'occulter les, les problèmes ou d'occulter les difficultés pour pour essayer de passer au dessus ou de trouver des, des, des moyens de contourner les problèmes euh, voilà donc il faut un peu je pense aussi un peu de folie quoi il faut faut surtout pas être trop euh, trop euh, terre à terre ou être trop euh, s'arrêter aux premières difficultés euh, je pense que c'est ça qui, qui, qui en tout cas qui moi qui m'a motivé voilà euh, ben, cette émission s'appelle Nous venons du futur. <laughs> J'ai dit au début de l'émission que j'invite des gens qui viennent du futur et je pense que le, le futur appartient à ce type de démarche. Des, des, des gens qui zigzaguent, qui zigzag dans leur vie professionnelle, qui zigzaguent dans la géographie parce que euh, travailler dans plusieurs pays, se frotter à plusieurs cultures, c'est toujours en plus, quoi. Euh, donc voilà, je pense que tu es bien placé pour, euh, pour parler dans cette émission. Ben, on arrive à la fin là. Une question toute courte, euh, une réponse rapide s'il te plaît. Euh, si tu avais un robot qui ferait toi à ta place et tu avais tout le temps du monde pour toi, tu, tu ferais quoi je m'ennuierai, je m'ennuierais tellement. C'est la seule réponse que je peux te donner. Excellent. Jean-Philippe Johnson <laughs> les remercie qui a posé noi la ieri in Romania, dragi ascultători lați auzi la emisiune noi venim pe Jean-Philippe Fournier, fondator și CEO al companiei franceze Spectronit, care aduce o tehnologie disruptivă în infrastructura fără fir de pe piața CinJ. Mai multe despre acest proiect puteți afla la adresa www.spectronit spectronite, se scrie spectronit.com. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune. Noi venim din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginez mâine este aerul pe care îl respirați. Această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Eu vin din viitor Mirel Bran. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce este făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba asta așa. Ori ne omor unii pe alții într-un război inimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5 jumătate la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România o emisiune oferită de BRD, Grup Societe General și La French Tech.